deux sœurs que tout au coup. Je vais changer de chambre parce que j'ai marre d'acteur. Je dégoûte, c'est horrible. Une chambre d'hôtel, zéro technologie, pendant 24 heures. C'est je crois que c'est du caca. Ah, tu me fais peur. Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jan et Roman. Aujourd'hui on va faire un challenge où on va enfermer deux sœurs que tout oppose mais pas trop. On va rester pendant 24 heures dans cette chambre d'hôtel sans sortir, sans voir personne et surtout pour ajouter de la difficulté, on n'a pas le droit de toucher à nos téléphones, à nos ordi, tout ce que tu veux pendant 24 heures. Ça va être un inception de confinement dans un confinement. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Ça s'annonce assez compliqué parce que c'est 24 heures sans rien du tout. Donc on va enfermer nos téléphones et on les récupérera demain. Petite pause publicitaire. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Fruitz. Vous connaissez déjà Fruitz, on en a parlé dans quelques vidéos. Fruitz est une application de rencontre qui vous permet de rencontrer des gens en fonction de vos envies. C'est ça, donc en fait, ça évite de rencontrer des personnes random qui n'ont pas les mêmes intérêts que toi parce que le principe de cette appli, c'est de rencontrer des personnes qui ont exactement l'envie qui correspond à la tienne. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un système de fruits. Il y a 4 fruits qui représentent 4 envies différentes. Le premier fruit, c'est la cerise. Donc si tu veux quelque chose de sérieux pour trouver l'âme sœur. Le raisin, c'est pour prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. Troisième fruit, il y a la pastèque, donc pour des câlins récurrents sans pépins, donc sex friend. Et après, il y a la pêche pour un coup d'un soir. C'est cool parce que du coup, chacun montre le fruit qui correspond à son envie et il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu sais déjà exactement ce que la personne veut et tu montres aux gens ce que tu veux aussi. Non, tu swipe les profils. Si le profil t'intéresse pas et si un profil t'intéresse, tu likes, c'est vraiment hyper simple. Et si vous likez tous les deux, ça crée un match et là vous pouvez commencer à discuter grâce à des questions juteuses. Donc voilà, en fait il y a des questions pré-enregistrées quand vous matchez, comme ça ça permet de faciliter la conversation et de commencer de façon fun et efficace. Comme ça vous évitez les bides, ce qui peut arriver parfois parce que des fois on parle et ça crée un gros bide parce qu'on sait pas quoi dire. Salut, ça va, il fait beau, il a neigé hier et hey salut, est-ce que t'as de l'herpès vaginal? Ça faut pas dire. Non, faut pas dire que t'as de l'herpès vaginal. Non, parce que ça passe mal en général. Dans la conversation. C'est pas une très bonne. Ça crée une cassure en fait dans la discussion. Alors que là, s'il y a des questions déjà faites, on évite ce genre de problème qui peut arriver. N'hésitez pas à télécharger l'application, le lien est dans la barre d'infos. On retourne à la vidéo, c'est parti. Voilà le coffre-fort où on va devoir mettre toutes nos technologies. Je sais pas si je vais survivre à ça. Envoyer un message à Eden avant. Eden va trop manquer. Tu sais que imprimer une photo de lui pour l'avoir avec moi parce que je vais être trop déprimée. Toi, t'envoies une photo à Eden ou j'envoie une photo à Bernadette? Ou ça, envoyer une photo. Il a un compte, hein, ça. C'est moi qui le gère. Bah c'est mort, Soy. C'est mort. C'est mort, on ne peut pas. On met les téléphones. Boum. Boum. Et je ferme, ok? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'ai oublié. Désolée. Moi, qu'est-ce que tu fais? Hein? On a dit pas technologie. Ah bon, désolée. Tiens. T'as encore autre chose là ou c'est. Non, c'est tout? Ok. Il faut appeler un huissier de justice. Oui, entrez. Huissier de justice, je viens vérifier que tout est en règle. Ok, très bien. Donc ça, voilà, je vais le casser. Oh. T'es prête, Soy? Oui. Bon bah ça commence ça. Soy, non, on ferait mieux de se présenter. Ça s'annonce sympa. T'as prévu des activités ou pas? Mais pas vraiment en fait. Parce que moi j'ai emmené deux feuilles et un crayon quoi. Moi j'ai un livre et un puzzle. Allez, mais je check, tu sais quoi, moi je meurs de faim, on va commander à manger pour commencer. Je vais peut-être me faire masser. T'as envie de te faire masser? Normalement on est censé rester qu'entre deux sœurs non? Ouais mais un massage n'est pas technologique. Oui mais c'est pas une question de 24 heures sans technologie. C'est 24 heures entre deux sœurs et personne d'autre. Oui mais imagine, parce que les masseurs ils montent dans la chambre. On va être chacune sur notre lit se faire masser en même temps. Moi ça me gêne un peu. Ah ouais, pas moi du tout. Ça me gêne pas trop mais ça j'aime pas forcément tu vois. Genre t'aimes pas te mettre dénudée devant quelqu'un que tu connais pas pour qu'il te masse dans une chambre d'hôtel? Ouais c'est ça. Le truc c'est qu'on a pas le droit de faire entrer d'autres gens. On doit être enfermé entre sœurs, c'est ça qui est chiant. C'est clair. C'est super chiant le concept. C'est qui l'a inventé ce concept? C'est toi le mal. Ah non, j'ai des idées claquées moi. T'as des idées folles hein. Pourquoi t'as inventé les codes? Je sais pas, genre peut-être je m'appelle Charlemagne ou ça. Tu sais que quand j'étais arrivée à la réception, j'ai demandé les différents services. Moi j'étais en train de faire mes plans dans ma tête, je dis ok bah ça va être trop bien. Non, ça, non, non, ça va pas être trop bien. Il y a pas de technologie, il y a pas de masseur non plus. Oh ça va être dur. Et comment on doit manger ça? Est-ce qu'on mange? Je sais pas, il va falloir se mettre d'accord là-dessus. Moi je suis pas d'accord déjà avec toi. Mais Soy, comment on commande à manger? On a le droit de manger quand même, vu qu'il n'y a pas de... On a le droit de manger, mais on est censé commander avec nos téléphones. Non, on a le droit, non, d'appeler.
On a le droit de commander à manger, juste ça. Bah normalement non, c'est pas technologie, rien. On descend dans la rue. C'est quoi qu'on domaine en priorité, l'enfermement ou la technologie? Ah oui, j'avoue, parce qu'on est enfermé là. On n'a pas trop prévu la vidéo. On prend nos téléphones juste pour commander et on le remet dedans ensuite. Oui, il faut quand même qu'on survive à cette vidéo, si on finit en cadavre à la fin de la vidéo. Je veux pas que la madame qui fasse la chambre le lendemain nous retrouve genre calcinée. Petite pause de 3 secondes. On prend un seul téléphone et on fait juste commander. Ok, je choisis le téléphone au hasard. Ok, je vais te dire stop, ok? Ok. Stop! C'est le mien. Comme par hasard. Je trouvais pas le tien en plus. Je cherchais, je trouvais pas le tien. Alors moi je veux un truc genre végétarien. Végéta. 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 J'ai faim là, je me fâche. Ok, bah alors. Sinon on peut demander aux gens de choisir de la nourriture pour nous. La meuf elle mélange tous les conseils. Tu veux qu'on fasse une dégustation après? Ouais, on va faire un mukbang. Puis une morning routine. Et puis après on pourra faire un chit chat make-up. T'as choisi ou pas? Bah, je me suis fait une entorse. Je remets le téléphone dans 6 secondes. Je me suis fait une entorse. Ok, ok, ok. Sorry. Je remets mon téléphone dans la boîte dans 5 minutes. Oh, bah c'est blalant 5 minutes. 2. Je vais compter pour 5 minutes. Oui. Okay. 180. 180. 201. Rigatoni. 203. 206. Elle verde. Elle transparente. 3. Moi j'aime bien les carbonaro. C'est des carbonara, par contre. Des carbonaro. C'est horrible. Est-ce qu'il y a des objets contendants pour comme mettre fin à ces jours? Non mais j'ai un crayon si tu veux. Je vais prendre ça je pense. Sauce tomate, tomate, crème basilic. Je vais vous jeter par la fenêtre. Basilic, tomate. Est-ce que la fenêtre peut s'ouvrir? Non malheureusement, je te jure que j'ai regardé ça en premier d'ailleurs. J'aimerais bien comme ton corps être projeté ouais, par la fenêtre. C'est ce que je voulais faire aussi mais c'est fermé. Bon oui, attendant qu'elle choisisse son repas parce que ça met 50 ans cette histoire. Oui, je vais faire du petit café. Soit je te fais un déca. Fromage de chèvre. On est là jusqu'à demain matin. Hein. Brie, gratiné, bah oui, mais là faut pas me demander. Ça me dégoûte un peu, ça, c'est moche. Gâteau au fromage au Nutella. Si je prends ça, ça va être 24 heures dans les toilettes, je te le dis tout de suite. Gâteau au fromage, c'est je passe 24 heures dans les toilettes non-stop. Et c'est pas un challenge. Pourquoi tu fais ça, ça? Je sais pas. J'ai toujours pas le droit à ma soeur? Bah non. Ok. Mais t'as le droit à ta soeur. Ah, ça, ça fait plaisir. Échalotes? Non, tu mets pas d'échalotes, ça. Ouais. Mais ils vont pas comprendre le français. Tu mets no échalotes. Mais. Je veux peau d'échalote. Je veux peau d'échalote. Mais t'as pas écrit je veux peau d'échalote? Je veux peau d'échalote. Je veux peau d'échalote. Ça fait une heure, on est toujours en train d'essayer de commander. Tu choisis quel lit? Je sais pas, lui. On s'amuse bien. Hein. Franchement, nos liens se sont resserrés. Viens, je te fais une dictée. Ouais, je suis down. Ok. Mais tu vas pas chanter, tu vas faire une dictée. Je mets la date ou quoi? Oui. On est le 28-52-03. Elle le croisa dans l'ascenseur et soudain, il enleva son pantalon. Et d'un coup sec. Non, on fait une dictée un peu plus correcte parce que maman va regarder cette vidéo. On recommence ça. Je l'arrache? Oui, oui, vous l'arrachez. Mais d'abord, je vais corriger vos fautes. Non. C'est moi qui corrige vos fautes d'orthographe. 0 sur 20, seuil. Nouvelle dictée. Nous sommes le 38. Paco Strich et Strubizu. Folob, mes accrous, Badinor. Badinor. J'ai cru ma Badinor. Il juffe. C'est mal de la coquillette. C'est mal. J'ai vérifié ça. Ok. Ah, je vois que vous avez fait des efforts. Très bien. Allez, on va en faire une petite dernière. 12 novembre. 12 novembre. De mes ribostabules. De l'année. Ribostabules. Je n'ai jamais guéri de mes blessures d'enfance. Comment change de mood à chaque... Je n'ai jamais blessure de mes blessures, de mes grises d'enfance. Je souris en façade, mais au fond je souffre. Je souris au passage. Que les guérus. Je souris à l'idée, c'est ça? Je souris à l'idée. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Je souris à la France sur mes blessures de Guérande. Est-ce que c'est la même phrase ou c'est une nouvelle? C'est la même. Les gars, j'ai trouvé un nouveau trépied. Je vais poser ça. Voilà. C'est génial. Oh non. Nickel. Attends, je vais prendre avec mon téléphone. Ah bah non, mais j'ai pas le droit de mon téléphone. Oh non. Je vais faire une pyramide humaine, genre. Avec quels humains? Deux humains. Hein, on pourrait faire ça. Ça va aller, ça y est, je veux pas jouer ma vie. Non, non, non. Ok, 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 ok. Juste pas ok, ok, je suis calée. Bouge pas. Ok. On est bon. On est bon. On est good là? On est good. En vrai, c'est hyper confortable. Ah ouais, pas d'eau quand même. C'était bien, mais c'était court quoi. Ouais, je me disais, on le sait là, mais genre,
te rends compte qu'il y a genre pas si longtemps que ça, il fallait s'occuper sans rien, genre. Bah quand on était petite déjà. Imagine genre une vie d'adolescente sans technologie. Genre une vie d'adolescente où tu socialises. Bah tu sais, tu veux savoir les dramas et tout de ton quartier, mais c'est juste du face-to-face tout le temps, quoi. Ça devait être tellement bien, genre juste d'aller au contact des gens. T'as juste plus d'excitation dans la vie. Mais heureusement qu'ils n'ont pas une période de confinement à cette époque-là. Ouais, parce que vraiment, l'atout principal, c'était vraiment d'aller sociabiliser avec les gens, d'aller au contact. C'est ça qui est trop bien. Les gens à l'époque, c'était moins instantané. Ils arrivaient à être plus patients. Ils arrivaient à avoir des qualités qu'on a plus vraiment aujourd'hui. C'est sûr, mais ils avaient d'autres défauts que maintenant on a plus. Oui, non, c'est sûr. Je pense qu'on n'a pas plus de défauts ou plus de contraintes aujourd'hui, c'est juste qu'elles sont différentes. Mais je pense qu'on en a autant. La psychologie est totalement différente. Ouais, c'est ça, c'est juste totalement différent. Mais t'as pas emmené un jeu de société ? Non, j'ai emmené un puzzle. T'as emmené ton casque VR alors qu'on n'a pas le droit, mais t'as pas emmené un jeu de société. Je comprends pas. Oh non. T'as emmené une mangue ? Je n'ai pas emmené de mangue. Bon appétit, ça. Bon appétit, mais j'espère que c'est pas le mien qui pue comme ça. Non, je pense que c'est le mien. Ouais, c'est sûr que c'est le tien. Delicious. La vue est très jolie en tout cas. La vue est vraiment trop belle. C'est sûr, c'est le meilleur moment de la soirée. Ah, tellement. Après ça, on va digérer et dormir. Ouais. Fin de la vidéo. Mais comment c'est possible de livrer des nouilles sans du fromage qui fond entre chaque spaghetti? Mais oui, c'est quoi ça? Y'a rien. Il faut qu'il y ait plus de fromage que de pâte. Genre. Oui. Les gens, ils sont pas aussi exigeants que nous. Hein. Ils s'en foutent du fromage dans les pâtes. Hein. Dites-nous sur une échelle de 0 à 10 à quel point c'est important pour vous le fromage dans les pâtes. Parce que c'est super important. C'est 10 sur 10. Du parmesan, t'appelles ça un fromage? Parce que moi, un fromage, j'appelle ça un filet de fromage. Parmesan, c'est juste un extra. On s'entend. Depuis tout à l'heure, je fais ma mijaurée, je mets du parmesan, mais ça me rend pas content. Oui, oui, ça satisfait pas le parmesan, on est d'accord. C'est comme du sable. Oui, oui, c'est genre de poussière. C'est comme du sel, genre, t'ajoutes ça. Vraiment. À quoi tu jouais dans la récré quand t'étais petite? On me lançait des ballons dessus et je pourrais. Non, mais attends, j'ai demandé un extra brie. Oui, il est mon brie en fait. Il y a zéro brie, frère. Il y a pas de morceau de brie fondu. Moi, j'ai un camembert fondu dessus. J'ai un peu de bave. Ouais, c'est de la sauce. Okay. Ça dégoûte. Mm-hmm. Ok, les gars, prochaine activité, on a décidé de faire un cache-cache. Qui commence? Je vais me cacher? Ouais, vas-y. Mais Soy! Quoi? On peut pas faire un cache-cache à l'extérieur, on est coincé ici. C'est bon? Oui! Alors. Où est-ce qu'il y a... Ok, je compte jusqu'à 8. 8, 2, 5, 3, 7, 1, 9. Bon, j'ai entendu ça. Ah! Je t'ai trouvé. Bien joué, Soy. Comment t'as réussi à me trouver? Bah, je sais pas, je me suis retournée, je t'ai vu. Franchement, t'es super fort. Bon, bah, vous, Soy. Okay. Je ferme les yeux. Ok, vas-y. Allez-y, cachez-vous. Compte un peu. 1, 8. Brive. Gruve. Je pense que c'est bon. Où peut-elle bien être? Mais moi je me tais. J'ai ri comme ça. C'est tellement claqué. Putain. Merde. J'en ai marre de ce jeu. Mais t'as blasé au gant. T'es monté vite quand même. Ouais quand même. Moi je me confonds grave dans les meubles. J'ai eu la vertige, ça. Ah, ça va bien, mais là tu devrais rester là. J'ai eu la vertige, j'ai envie de vomir tellement j'ai vertige. Bah vas-y, descends. Mais j'ai trop peur, Soy. Je crois que je vais rester ici, Soy. Ouais, c'est bien. Ce jeu est génial. Ouais, on l'arrête. On l'arrête. Ah ouais? Bah je sais pas, quand c'est génial, faut mettre fin aux choses. J'arrive à me penser. Je suis une squat comme ça. Mais ça sert à quoi, ça? Ça met beaucoup plus de résistance. C'est comme si j'avais des poids dans les mains et je faisais ça. Sinon, alors je vais vous expliquer comment bien faire un squat. Vous mettez votre bassin en arrière et vous le ramenez vers l'avant comme ça. Là, on travaille fort le fessier là. Bassin en arrière et on ramène. On ramène, on ramène comme ça. Hop, et vous pouvez faire ça en même temps. Non, bah je suis dans une chambre d'hôtel. Bah ouais, on fait des trucs. Tu sais que j'ai un fond d'angoisse qui augmente tellement. Sinon, je fais chier. Allez, on va partir en crise d'angoisse. J'ai pas une crise d'anxiété. Allô? Oui, le 911. C'est quoi les urgences? Le 811? Moi, j'ai aucune idée. Moi, je suis le 00 aussi, t'as un problème. J'ai vu sur internet juste avant. Il y a une piscine sur le toit de l'ancien hôtel là. Ouais. Et l'OVNI, il est arrivé, il s'est calé au-dessus de la piscine et puis il est reparti. En 1992, genre. Puis il y a des photos. Soucoupe volante. Ouais, une soucoupe volante. Genre, tu vois une photo, une vraie photo. Il y en a deux ou trois photos. Moi, je fais trop pas confiance en photo là. C'est bizarre que les ovnis soient toujours des soucoupes. Je me disais pourquoi ils viendraient proche de toi comme ça, à 2 mètres de la piscine. Ouais, mais pour faire quoi? Et il s'en va, genre.
Pour faire quoi? Je sais pas, après ils ont d'autres notions de faire quoi, pourquoi et tout que nous là, mais... Je vais prendre un petit bain, Soy. Il y a pas de baignoire? Si, il y a une baignoire. Ah ouais? Ouais. Normalement dans mon bain, je suis sur mon phone. Ah ouais, j'avoue, tu vas t'ennuyer. Je m'ennuie de ouf dans mon bain. J'avoue. C'est marrant comme expérience quand même. Parce que du coup, je vais être obligée d'attendre. Toutes les activités où j'attends, genre sur les toilettes et tout, j'ai tout le temps mon téléphone. C'est pas incertaine. Tu sais ce qui manque dans cette chambre? Quoi? Une balle rebondissante. Une balle, c'est avec les deux comme ça, les deux pieds de vache là. Et tu fais comme ça. Ah, j'avoue, c'est trop bien ça. Ouais, j'ai envie de le faire sans truc. Là, du bien, ma genre. C'est quoi comme livre? C'est un livre bien, genre un peu surnaturel. Ah, j'ai touché ton œil, ça me dégoûte. Genre, c'est une partie de mon corps là. L'ennui est de mise. L'ennui est de mise. J'ai l'impression de conduire une espèce de vaisseau spatial. Moi ça a l'air trop bien de conduire ses propres jambes. Tiens, tu vois, c'est pas si facile de garder l'équilibre. Ok. Conduis tes propres jambes. Ah, c'est difficile. T'as vu? Tu t'es fait mal. Non, ça va. Ouais. Ouais, ça va. T'as regardé pour voir si ça allait? Non, mais j'ai peur de perdre mes pieds et au final ils sont toujours là. L'heure n'a strictement pas changé depuis 2 heures. J'ai une giclée sur le truc. Ah ouais, mais ça dégoûte. Non mais c'est bizarre parce que c'est une giclée qui a fait comme ça. Oui oui. Elle est partie de là pour atterrir comme ça. Elle commence ici et elle vient gicler tout le long là. Mais mets pas ton doigt dessus. Mais j'ai pas mis mon doigt dessus. Ça dégoûte. C'est soit une éjaculation, soit un meurtre. Mais elle écrit une histoire, qu'est-ce qu'elle fait? J'en ai marre. Tu vas me la raconter après ou pas? Ouais. T'as le giclage juste derrière toi. Génial. Ça m'inspire beaucoup pour les histoires. C'est quoi t'écris? Une histoire sur la téléportation. Ah ouais? Bon guys, on n'avait plus de batterie, du coup Vincent est venu nous apporter la batterie de la caméra, enfin le chargeur, et en même temps il a apporté la lumière bleue. Pour qu'on observe toute la merde qu'il y a sur le... Ah, ouais, ça montre quoi exactement ça? Bah ça montre toutes les tâches en fait. Il y a du sperme ici, c'est ça? Mais non mais n'importe quoi. Si, regarde. Tu vois pas? Ah ouais, ok. Bah c'est pas du sperme sinon ça deviendrait fluorescent. Ah cool. Non mais c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai. Ça montre quoi exactement? Les fluides humains, ouais, corporels. Attends, on va aller voir les toilettes. Attends, là. Ah, là, c'est dire que là, c'est du pipi. Ouais. C'est vrai. Regarde au niveau du pied. C'est pas moi qui a pissé ici, je jure. Moi non plus. Mais il y a vraiment quelqu'un qui a pissé par en dessous, je crois. J'ai vraiment l'impression d'être des experts qui notent en hôtel. Ah, c'est ouf. Regardez là. Où ça? Oh bah non, j'espère pas. Imagine, on voit un corps. Tu vas prendre ton bain. Merde, tu peux pas avoir un corps. C'est quoi? Bah, je sais pas. Des traces. Non mais c'est peut-être du calcaire hein. Non, je crois pas que ça détecte le calcaire. Je crois que c'est du caca hein. C'est vrai. Tadam. Ah, ok. J'ai peur des murs. Non, c'est possible. Quelqu'un aurait pu se faire plaisir sur un mur. Un fou, ouais. On sait pas. Bon, je vais prendre un bain parce que c'est pas le tout, mais moi je tourne en rond dans cette chambre d'hôtel. Oui, bonsoir, je suis à la chambre 1113. Le bouchon il se ferme pas en fait, du coup l'eau elle s'écoule, elle peut pas prendre son bain. Tu veux qu'on change? Il n'y aura pas de sperme au moins. Bah peut-être qu'il y en aura encore plus hein. Peut-être qu'il y en aura une plus grosse quantité. Bah ouais c'est ça. Ça vaut le coup, on aura du café, du nouveau café, on aura... Des nouvelles cachettes. Ouais, des nouvelles cachettes. Une nouvelle chambre à explorer ça. Ok. J'ai un truc dans le cul on dirait. On vient d'arriver dans la nouvelle chambre. Mais c'est trop bizarre d'être dans un autre endroit et c'est exactement le même en même temps. C'est un genre, un appartement miroir. C'est le principe d'un hôtel en fait quand on y réfléchit bien. On a gagné du café. On s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. J'ai au moins 6 tasses de plus. On a perdu la vue quoi. Au lieu d'avoir tous les immeubles, on a de la terre battue. C'est génial. Merci Roman, merci. Oh, on a gagné des vergers purels. Yes. Je suis en recherche de matière fécale. Aucune matière fécale ici. Pas de matière fécale, sorry. Il n'y a aucun fécal ici. Fait que... Hé, hey, il y a moins de caca ici, hein. Ah ouais. Franchement, c'est clean. C'est peut-être nous qui avions mis. Ça se trouve, ouais, c'est nous, on en a mis partout. Tu penses, Chloé? Mais regarde. Ah. Ok. me fais pas dessus, sorry. Allez, relance-moi, please. C'est chaud. Je suis dans mon bain. Tu peux venir sans vous regarder? Si je m'enlève, tout le monde doit voir ton corps. Genre, merci Soy d'être là pour cacher mon gros corps. Ouais, c'est ça mon rôle. Là, le résumé de cette histoire, t'as appelé la réceptionniste pour dire le problème du bain là. Ce que tu l'as appelé, t'as utilisé la technologie. Oh, t'aurais pu sortir, mais en fait non, vu qu'on est enfermé. Donc en fait, on peut pas ne pas avoir de technologie et être enfermé en même temps. C'est ça le résumé de cette histoire. Ouais, ça crée un genre de trou noir. Je sais que quand je suis dans mon bain, je regarde un film ou alors je check mon téléphone. Et là. Là, tu fais face à tes problèmes quoi. Bah, je fais surtout face à ma sœur. Qui est en train de me filmer quand je suis nue dans mon bain quoi. Je préfère ça que je te laisse face à tes problèmes. C'est vrai que si j'étais seule dans mon bain en ce moment, je ferais une crise d'angoisse. C'est que je ça. Moi j'ai une question, ça. Pourquoi on n'est pas tous tout nus? Non parce que là je suis en train de penser, tu vois, je suis hyper à l'aise en ce moment. Oui mais parce qu'elle est dans un bain, c'est confortable.
Ouais, mais je veux dire, regarde, je te parle, je parle dans cette caméra qui fait face à la terre entière et je suis nue comme un ver de terre, tu vois. Ouais, t'es à l'aise. Et je me sens épanouie. Bah tant mieux, hein. Mais c'est pas tout le monde, regarde, moi je me sentirais pas forcément très très à l'aise. Ah ouais? Est-ce qu'on a vérifié au laser s'il y avait de la piste sur les toilettes? Oui, j'ai vérifié, il y en a pas. Ouais, génial. Il y a juste un peu de caca au bord, mais ah, ok. Romain, t'as mis le sac poubelle sur ta tête? C'est où que tu l'as trouvé? Oh mince, oups. On dirait pour de vrai. Non, c'est le bonnet de bain qu'ils ont fourni, mais je pense que c'est la même matière. Ouais, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Franchement, il n'y a pas de différence entre ça et ça ta fait tête. Plaisir. Faut savoir que j'ai le hoquet tout le temps quand je mange du pain. C'est de la nuit. C'est nul à chier. Tu veux que je mange? Go à d'autres. On a peut-être pas à manger, mais en attendant, on peut boire quelque chose. On a des sachets de thé et on a un bain. Un bain? Ouais, on peut faire un thé géant, ça. Ouais. C'est vrai. Si on met un sachet de thé dans le bain, ça fait un thé géant. Peut... Et voilà. On peut pas boire l'eau. Parce qu'elle va être dégueulasse un peu, non? Bah non, j'ai juste flotté dedans pendant une heure. Ah, tu veux faire avec ton vieux bain? Ouais. Ok, nice. Ouais, ouais, c'est ça. See you soon pour des nouvelles recettes. Et en vrai, rien faire, ça fatigue de ouf. Ouais, c'est vrai. Tenez, Soy, une lingette. Lavez-vous le cul, Soy. C'est les lingettes des mannequins de Patrick Star. Oh là là, attends, j'ai un coup de soleil dans mon... On dirait que j'ai 80 ans. Tu sais qu'un jour, on aura 80 ans? Ouais, non mais arrête de me parler de ça, je suis... Ah oui, c'est vrai. Angoisse. Je me barbouille. Ça me saucissonne. Tu sais les concours de chiens moches? Ouais, ouais. Le chien comme ça. Ouais. On dirait vraiment moi en ce moment. Ouais. Tu sais, si je me tatoue des boucles d'oreilles sur les lobes, au moins j'aurais plus besoin de porter des boucles d'oreilles. C'est bien dit ça. Non mais les boucles d'oreilles c'est bien quand même. Donc t'es pour que je me tatoue des boucles d'oreilles dans les lobes? Non, vu que les boucles d'oreilles je trouve ça bien comme concept. Je veux pas que tu tatoues. Et là tu dois faire un massage facial. Oh ouais, j'aime bien ça. J'ai un fantôme. Arrêtez ça, j'aime pas. Mais Soy! Soy, je déteste les pranks! Ok, mais c'est pas un prank, juste un prank de quelque chose. C'est horrible d'avoir un enfant de terre. Je déteste! Ça m'angoisse totalement. L'eau, elle a un goût de pété. Oh non! C'est ma dernière saveur avant de me coucher. Ah, mais tu vois? L'eau, elle sent comme l'hôtel! Ça sent le petit pois pourri d'une vieille mémé! Je veux boire de l'eau. Moi, je vais là? Y'a pas d'eau, c'est vrai, dans cette chambre. C'est lequel le lit de qui? Je sais pas, moi je veux pas le lit de travers. Ça me dérange pas de l'avoir. Je sais pas dans lequel je me sens plus confortable. Ok, moi je veux bien mettre là. Je vais jouer avec ce fil, Soy. Je joue avec ce fil avant de me coucher, je pense. Fais attention de pas le mettre autour de ton cou. Bah, c'est ce que je comptais faire. Oh non. Ouais. T'as quoi comme pyjama? J'ai un One Piece. Ah ouais, moi j'ai une nuisette sexy, toi dans un One Piece. Oh, moi, bonne nuit, Soy. Bonne nuit, Soy. Parfait, j'ai gardé tous les coussins pour moi. J'étais sûre. Pas grave, j'aime pas les coussins. Soft. Ouais. J'arrive pas à dormir. Moi, j'arrive. Ah, ok. Bon, bah, bonne nuit alors. Ah, fait chaud dans cette chambre. Fait bien chaud. T'as de la chance. Ah, attends, je vais éternuer parce que tu m'as éclaté le nez en fait. Tu sais, quand t'éclates le nez de quelqu'un, ça donne envie d'éternuer. Ok. Attends, j'ai même reçu un coup de poing, toi, mental. Non, ça se voit. Oh, tu m'as fait trop peur. Énervée, ça fait blap. Ah ouais? Ça fait blap. Ah, je suis contente, ça m'a pris autant de pouvoir sur toi. Putain, il fait vla chaud d'un coup. Il fait fucking chaud. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, on est dehors. Non, c'est interdit pendant 24 heures. Mais j'ai vla chaud, comment je fais? Pour m'aérer les couilles. Mais faut se coucher. Ah, c'est toi qui as voulu m'attaquer avec. Mais moi j'étais en train de dormir profondément. Qu'est-ce que... Tu m'as fait de la peur, Soy. Tu voulais appeler l'ambulance pour aller me mettre en internement? Non, je voulais changer de chambre parce que j'en ai marre d'acteur. Mais Soy, juste, je croyais que dans les hôtels il n'y avait pas le droit des caméras. Et là, depuis tout à l'heure, il y a une caméra. J'avoue, ça se fait quoi? Ça se fait pas. On va aller se plaindre. Mais tu rigoles. Une caméra là. Il y a une caméra dans l'hôtel. Excusez-moi, c'est inadmissible. On voudrait changer de chambre. Mais en vrai, on faisait quoi pour s'endormir avant? On écoutait les chansons de maman, genre. Ouais, maman nous disait des berceuses. On a qu'à chanter une berceuse chacune. Ok, mais toi, je veux pas de berceuse, moi, c'est correct. Je peux te chanter. Moi, j'aimerais te chanter une chanson. Ah, ok. Mais si ça marche, du coup, je pourrais pas t'en chanter une après. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est pas grave, tu t'appréfies, t'es la grande sœur. Il était un petit chat qui se baladait quand soudain il tomba dans un fossé. Il se cassa toutes les pattes, mais bien heureusement, il tomba sur des patins à roulettes qui fixa directement sur son corps. Trouva non loin de là une batterie électronique qu'il brocha dans son cul et il devint un skatera. Un skatera électronique. Il était pas un chat au début? Ah oui, j'avoue, c'était un chat. Ok, à moi de vous chanter cette chanson. L'histoire d'une... Ah mais c'est la même chanson. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Romy. Elle décida de commander un petit plat d'ouillère. Elle a mangé ça toute la soirée. Il y avait de l'huile d'olive partout. Il y avait de l'ail et des oignons. C'est pas genre
Une aire de chanson que je connais déjà. Oui, oui. C'est un vieux shit, je crois. Ouais, c'est plein de vieux shit. Vas-y, faut trouver c'est quoi. S'il vous plaît, dites dans les commentaires c'est quoi. C'est quoi déjà cette chanson? Plus vite on dormira, plus vite la nuit se fera. Mais arrête de me parler alors. Bonne nuit. Mauvaise nuit. Ah non, ça me rend mal d'avoir dit ça. Bonne nuit. Sorry. Suivez-vous. Regardez dehors. Il neige. Oh non, c'est trop beau. Il manque juste les petits traîneaux. Mes petits grelots. Moi j'en ai plein les grelots de me réveiller. Oh, ça me fout une baise aussi. Mais moi je suis pas habituée à me réveiller aussitôt. Je vais vous montrer la neige. Montrez-moi plutôt ça, un croissant et un pain au chocolat. Ça j'en ai pas, il y a pas de room service en plus. Là j'aurais pu vous montrer une bête de vue. Mais vu qu'on a changé de chambre et qu'on a pris une chambre claquée, c'est tout ce que vous aurez. Merci qui? Je ne me plains pas. Les temps sont durs en ce moment. Je vais leur montrer la neige. Vous avez déjà vu la neige, Kat? Regardez-moi cette neige. Waouh. J'aimerais y plonger le visage de ma sœur. C'est Noël, hein. Les gars, c'est Noël. Genre, joyeux Noël à tous, déjà, je tenais à le dire. Allumons toutes les lumières, la seule technologie qu'on a du jour. C'est tout. Bah, c'était génial. Franchement, je me suis amusée comme une petite folle. Je crois que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais vraiment comme me focus sur les lumières, les allumer, les éteindre. On doit écrire un mot et l'autre doit deviner le mot. Ok. Voici mon mot. Voici mon mot. En vrai, pas de technologie, y'a pas de soucis. Hein. Je te jure. J'ai de sa gueule, putain. Ah, mais moi aussi, hein. On va peut-être démonétiser. On va être démonétisé, ça va être trop moche. Est-ce que je suis un objet? Non. Est-ce que je suis un objet? Ouais. Est-ce que je suis beige? Non. Je donne un indice? Ouais. Ça peut se raffiler à, par exemple, quelque chose comme une maladie. Genre un P? Non. Est-ce que c'est genre un P? C'est un objet qui se trouve dans cette pièce. Mais dans un rayon de combien de centimètres? T'es affilié donc tu l'as utilisé. Tu sais quoi, la chasse d'eau? Non. Mes trous de nez? Ton mot il est écrit sur quoi? Un papier. Un quoi? Un post-it. Oui, c'est ça. Ça me faisait blarrer d'écrire post-it sur un post-it. Et moi c'est quoi? C'est une maladie du coup dégueulasse. C'est comme un bouton. Mais si je connais pas un girafe. Hey, j'accepte le girafe. J'ai dit girafe. Je savais, c'est pour ça que j'ai accepté. Cheers. Apparemment faut jamais cheers avec d'autres choses que de l'alcool. Ah ouais, ouais. Bah j'ai mis de l'alcool dans la bouteille donc c'est tombé. Ma tête actuellement est dans un état graisseux planétaire. Pareil, t'as de la chance, j'ai du ça sur. Comment t'es pas ma soeur pour rien? Ouais je sais, mais d'abord je vais en mettre à moi. Angela, rappelle-moi ce. On doit se maquiller là? Eh oui, malheureusement. Oh, la flemme. Faut raser notre barbe aussi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a poussé entre temps. Non. La crème d'abord. Ah, oh, tu dégoûtes là. Ça me va ouf. Eh, sérieusement, je peux faire un feu de forêt avec mes cheveux. Mais arrête d'insulter tes cheveux, H24. Non, regarde. Mais laisse tranquille. Non, c'était ça, c'est pour ça que je l'ai coupé. Il y avait ça ici et j'ai coupé comme ça. Pourquoi tu veux pas ça? Bah donne-moi un ciseau. Bah oui, mais il faut un ciseau de coiffure, sinon ça va abîmer. Mais non, mais moi, un ciseau coupant, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez tenir ma couette, s'il vous plaît? Là tu vomis ou quoi? Et je vais voir de la zone. Angela. Arrêtez, regardez ma mèche. Ma mèche. Rappelle-moi ce soir. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Je suis à l'aise financièrement. 4, 5, 6, 7, 12. Ah t'as déjà la tous? Ah, ça a pu le péter. Ça sent le péter. Ah, ça sent le péter. C'est les œufs, ils sont pétés. Ah, ça pue le paix. Ça sent le paix. Ça sent le paix international. C'est horrible. Mais c'est worldwide de paix. Ah, mais c'est fou que ça pue comme ça. Peut-être qu'il y a un paix emballé dans une boîte. Ce qui est bien, c'est vraiment qu'on n'a pas d'ustensiles. Ah ouais, ça c'est des bâtards. Ça c'est vraiment bien. Bon bah, bon appétit avec les mains. Okay. Pourquoi il y a de la compote là-dedans? Ça fait aucun sens. Bon appétit, ça y est. Bon appétit, mais vous m'avez déjà dit, mais bon. Ouais, mais j'attendais un retour. Ouais, j'ai pas dit vous aussi? Non. Ah ouais? On a qu'à faire nos bagages, je sais qu'on part dans 1000 ans, mais. Ouais, faisons nos bagages. Faisons nos bagages. Moi je veux même faire le lit, genre. Ouais, on range tout, on nettoie toute la chambre. Ouais, ouais. Je suis down. Je suis down. Ok, bon, on y va? Bah en fait, non. Tu vas voir mon zizi. Génial. J'ai cru pendant un instant que c'était ton zizi. Hey, shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. L'ennui est de mise, l'ennui est de mise. L'ennui est de mise, l'ennui est de mise. Eh, ça devient grave là. Oh my god, c'est la pire vidéo. On essaie de couper parce que depuis tout à l'heure on parle de caca, de trucs et tout le monde se dit non, on va pas mettre ça. Et au final, on a tout mis.
Je t'ai déjà chié dessus ça. Non, jamais. Ah, mais ouais. J'ai déjà entendu des gens qui ont fait ça et ils font genre c'est normal. Oh, mais tout le monde a fait ça. Non, non. Je t'ai chié. C'est trop drôle quand quelqu'un dit un truc que je pense que c'est une relativité bon pour tout le monde. Alors que pas du tout. Genre. En soirée, t'es avec plein de gens. Non, mais tout le monde s'est déjà chié dessus là. Comme. Pourquoi tu mets ton manteau? Mais parce que je suis dans un club de rap. Ah, ok, ok. C'était nice de te parler. Hein. Allez. Bah, allez. On se barre, Soy. Mais c'est quoi? Elle est en train de se mettre des trucs dans le cul. Regardez-moi cette banane qu'on me donne pas envie et pourtant je vais la manger. Waouh. J'aurais pas dû manger cette banane, elle me dégoûte. Hey, j'en ai plein les groseilles. Je dirais que la vie arrive à son terme en ce moment pour moi. Je suis au bout du bout. À l'heure actuelle, j'aimerais devenir un espèce de mollusque. Un genre d'huître ou quelque chose comme ça. Un genre de bulot, tu vois. Okay. Pour que ma vie soit plus abstraite. J'aimerais être un genre de bulot. Ou une huître, je ferais ma perle, je serais tranquille. Mais je chanterais une chanson genre sous l'océan. Est-ce que t'étais à poil tout le long que je parlais? Ouais. Est-ce que tu viens de mettre un corset? Ouais. Mais ça fait aucun sens. Pourquoi tu viens de mettre un corset? Pour pouvoir faire le poirier sans qu'on voit mes tits. T'avais vraiment prévu ça? Ah ouais, je cherchais fait tout ça pour ça. Non mais attends, non mais non plus ici, il y en a pas beaucoup. On vole pas très haut. J'ai trop l'impression que je suis une gymnaste de haut niveau. Mais... T'as trop d'énergie. Je vais couper, hein. Je sais, ça devient trop bizarre. Je chill. En vrai, c'est sympa de tester des nouveaux endroits. C'est sûr que si tu serais un insecte, tu serais sage. Ouais, c'est clair, je sens pas que je serais sage. Imagine, il y aurait des gros insectes comme ça dans ta chambre d'hôtel. Dans la préhistoire, il y a des gros insectes. Genre la meuf de ménage, elle l'a pas vu. Il faut oublier l'aspirateur pour m'aspirer. Hein. Ouais, de ouf. Comment tu tues une bête comme ça? Genre, tu tues quoi? Tu tues juste une partie? Ouais, puis elle peut t'attaquer, ça on a tendance à l'oublier. Bah oui, c'est clair. Je suis blague l'araignée. T'es bien comme ça? Franchement, je suis hyper chill. J'ai vraiment le goût de rester comme ça tout le temps, par contre. Mais par contre, t'es par terre, genre ça dégoûte. Hein. Ah ouais? Bah ouais, grave, il y a le corona par terre. Je me sentais à l'aise. Ah ouais? Dans mon élément. Bah peut-être tu devrais rester avec comme les acariens, mes amis acariens. Tu devrais peut-être faire ça plus souvent. Hein. Ouais, c'est vrai. Rester par terre comme une. C'est horrible. Oh, je vais me coucher, moi. Mais. Bye! Ah, kick Léo B, tu dors comme ça? Ouais, c'est comme ça. En général, je dors comme ça. En vrai, tu dors comment? Je fais une blague, les gars, elle dort comme ça. Moi, j'aime bien, ça fait un coussinet. Mais maintenant, je me rends compte, quand, juste avant de m'endormir, des fois, je fais ça. T'es un président de la République, frère. Je suis là, le président. Je suis un président acarien, genre. Non? Non, non. Juste le bec. Moi, je sais faire exactement toutes les mêmes têtes que toi. Ça, c'est ok, tu dois faire la même tête que moi. Vas-y. Il nous reste combien de temps, Soy? Une heure. Bon les gars, il est l'heure. Yeah, on a réussi à tenir. Je vais saisir mon téléphone et je vais y rester et je vais plus sociabiliser pendant au moins 24 heures. Ouais. Ça va être un nouveau challenge. Ça va pas être un challenge, ça va être très facile. Amène au coquiki. Amène au coquiki. Waouh. Oh pardon, ça, désolé. Oh, oh pardon, ça. Ah! Pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Aïe, arrête de la violence, tu me fais pas. Je me sens genre safe quand j'ai mon phone. Tu sais moi ce que je suis contente de retrouver? Mon calendrier avec ah ouais toute ma to-do list. J'ai l'impression que c'est bon, j'ai récupéré tout ce qui manquait dans mon âme.